ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Comment nous on peut se plaindre après? Désespérer, délaisser les ordres d'Allah, alors que ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont subi, ils ont tenu, ils sont restés fermes, ils ont avancé. Aujourd'hui, on entend des gens, pour un oui, pour un non, on m'a dit un mot de travers, ben, j'enlève mon hijab. Ah oui, il me regarde de travers au travail, je rase ma barbe. Pour des détails. C'est même pas vraiment, il n'a pas peur ni pour sa vie, ni pour sa personne, ni pour rien. Juste parce qu'on le regarde un peu de travers. Monsieur ne veut pas qu'on le critique, monsieur. Il veut que il passe à côté des koufars, ils vont l'applaudir, ils vont dire bravo. Eh, si t'attends que les koufars soient contents de toi, tu peux attendre longtemps. Car Allah tabaraka wa ta'ala, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Regardez tous les arabes et les noirs de service, comme on dit, qui ont fait tout pour être acceptés chez eux. Jusqu'à maintenant, on les traite comme des bouffons. Comme les bouffons du roi. Le bouffon, c'est pas une insulte. Il y avait des rois, ils avaient des bouffons. C'est-à-dire quelqu'un avec des clochettes sur sa tête qui est là pour lui faire rire, pour lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre. Aujourd'hui aussi, il y a des bouffons parmi les gens qui sont d'origine musulmane, qui sont venus pour dire tout ce que les koufars veulent entendre. Un kafir, il lui dit, dis-lui que le voile, c'est pas obligatoire. Lui, il se lève. Le bouffon du roi, il se lève, il dit, le voile, c'est pas obligatoire. Un autre, il lui dit, dis, on peut s'asseoir, on peut fêter la fête des koufars avec eux. Il n'y a pas de mal. Lui, le bouffon du roi, il se lève, il dit, on peut fêter la fête des koufars avec eux. Il n'y a pas de mal. À toutes les époques, malheureusement, on a des gens comme ça. Et on a d'autres, alhamdoulilah, ils sont fermes sur leur foi et ils ne vendent pas leur religion, leur honneur pour un vil prix de ce bas monde qui n'a même pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.